Donc nous voici en compagnie de Cristal, montée par Julie. Nous allons voir Cristal donc dans une balade dans le village. On voit qu'elle marche tranquillement et complètement détendue, montée à l'école comme on peut le voir. Passe à côté du quad allumé, voilà, sans souci, pas de problème. On va la suivre. Le dimanche, voilà, présent une voiture, une personne, voilà, aucun souci pour Cristal. Voilà, Cristal que nous retrouvons à présent donc dans le passage de la route. On entend un gros moteur. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben non, voilà, pas de souci. Cristal qui reste impassible, qui attend que la circulation se termine avant de pouvoir traverser. Ah, très bien, Julie qui la récompense. Voilà, pour trouver cette situation plutôt confortable. Voilà, la voiture qui passe devant, aucun souci. Voilà Cristal ici sur le passage du pont. Voilà, aucun souci. Voilà. Excellent cheval, très décontracté. Voilà, je lui ai appris le mot touche donc pour aller toucher ce qui peut lui faire peur. Voilà, ici le passage dans le souterrain. On entend les chiens. Ici, le passage à côté de la fameuse à bois. C'est quelque chose qui leur fait souvent peur. Voilà, et là, maintenant, elle va passer dans le souterrain. Voilà, dans le passage souterrain, chose qu'elle réalise sans aucun souci. Donc voilà Cristal qui va passer sur le pont. Voilà, sans souci. Julie prend le temps de lui faire découvrir les choses avec le mot touche pour aller toucher donc ce qui peut l'effrayer. Elle continue sa route. Voilà, on prend le temps de discuter avec les voisins. Avec Cristal qui reste complètement impassible. Voilà Cristal que l'on retrouve dans le passage, dans le village, avec les chiens qui aboient. Totalement détendu. Ok, regarde, qu'est-ce que c'est ça. Hein, un chemin très très confiante.
et son cavalier. Alors, je lui demande même de passer dans des passages très étroits. Voilà. Les chiens, la voiture. Voilà, une jument totalement détendue. Comme les voisins. Voilà. Cristal qui continue son chemin tranquillement. Cristal, on retrouve à présent dans le passage de l'eau, avec un passage ici qui s'enfonce pas mal pour les chevaux. Voilà, elle met le nez par terre et passe tranquillement. Voilà, on entend Julie qui l'encourage. Super, on va la retrouver de l'autre côté du pont. Dans notre fidèle Delphine. Voilà, le cristal qui continue son chemin tranquillement. Sans problème. À présent, nous nous retrouvons Cristal dans ce passage très 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 impressionnant. Voilà, passage sous la route qui est juste ici au-dessus, et ensuite suivi d'un passage au-dessus du ruisseau sur ce tout petit pont. On entend les voitures qui passent au-dessus, voilà, ou à côté de Cristal. Sans souci, le passage ici d'un petit fossé pour rejoindre le jardin d'enfants. Voilà, Cristal dans le jardin d'enfants. Je lui offre une petite pause. Voilà, avant de repartir, de poursuivre donc ce chemin. Voilà, le passage à côté, petite maison, la route à côté, les petits espèces de jouets ici. Et là, voilà, le Cristal qui passe impassible à côté. Ensuite, Julie va lui demander de passer sur cette petite passerelle. Voilà, sans souci, on voit Cristal qui est complètement détendue, attentive à ce que lui demande Julie. Et surtout, pas du tout grégaire puisqu'elle est toute seule. Sur cette balade, on ne l'entend pas du tout hennir ni appeler les autres. On voit qu'elle marche d'un pas assuré et détendu. Ici, donc, Julie lui propose un contrebas, suivi du passage dans le fossé et un contre-haut à réaliser sans aucun souci. Voilà, le passage aussi à côté des gros rochers, voilà, les poteaux, etc. Pas de problème. Et toujours le mot touche, donc pour aller indiquer au cheval d'aller toucher ce qui lui fait peur au lieu de le fuir. Voilà, Julie et Cristal sur le chemin du retour. On est à quelques mètres de l'écurie et Cristal qui rentre tranquillement, sans précipiter ni se chauffer. Voilà. Toujours avec
la même cadence. Ici, on va passer à proximité des rochers situés juste ici et du quad. Voilà, un passage sans souci pour Cristal. Voici Cristal de retour à l'écurie. Donc elle passe à proximité des autres chevaux qui sont juste ici. Ouais, on voit Cristal toujours complètement détendu. Oh.